adultère. Et maintenant, monsieur, constatez l'adultère. La porte est enfoncée dans le restaurant, obscur, au volet clos, sentant l'ambre, attirant, comme une tiède alcôve, entre le commissaire. Le mari sur le seuil est resté, dévorant, sans honte. Quand soudain une voix jeune éclaire, constatez donc, monsieur. Et ne sachant que faire, le seigneur l'écharpe hésite en admirant. Car les cheveux défaits, les lèvres ingénues, deux femmes aux yeux lasses, deux femmes demi-nues, causent, la coupe en main, sur un large divan. Et une sueur au front, l'homme a rugi. Marquise! Elle alors, sur un ton d'impertinence, s'exquise. De quoi vous plaignez-vous? Je ne fais pas d'enfant.